Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo parce que on se posait la question avec les membres du Slack de se dire, le Slack c'est donc le forum privé de Locan.fr, de se dire que ça serait peut-être pertinent de dynamiser un petit peu le contenu sport et santé sur le site. Il y a deux catégories, deux, trois catégories qui sont là parce que ben, il faut qu'elles soient là, parce qu'il y a vraiment des trucs à dire dessus, etc. Mais qui sont un peu en retrait, c'est je vais m'arrêter parce que j'arrive pas à marcher en même temps que je vous parle. C'est la catégorie sport et santé qui est un peu à la bourre, si ce n'est qu'on fait des randos, etc. Ou quand il y a des articles intéressants à vous partager. La catégorie sécurité domotique qui, ben, pareil, à moins que je me sorte un petit peu le doigt à acheter du matos dans tous les sens, à vous faire des tests sur de la domotique, c'est un peu compliqué. Et la catégorie voyage, mais pour faire des voyages, si tu mettais un casque quand tu fais du vélo, ça serait mieux. Pour la catégorie voyage, ben, il faut voyager et en dehors des randonnées, etc. Ça implique un budget, alors qu'il n'y a pas besoin de budget pour faire du sport. Donc, comme vous le savez, je suis en train de divorcer actuellement, donc j'ai pas mon chez moi, etc. J'itère de canapé en canapé, c'est un peu compliqué de vous faire des vidéos du coup à l'intérieur de chez quelqu'un qui n'est pas chez moi pour faire des abdos comme on avait fait il y a une époque. On avait fait une vidéo cette semaine faisant des abdos, etc. Ça vous avait bien plu, moi ça, j'avais trouvé ça cool aussi. Et c'est un petit peu délicat du coup de vous montrer de tourner comme ça à l'intérieur. Par contre, ben du coup en fait je vous pose votre question, je vous pose cette question de savoir comment est-ce que vous dynamiseriez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir de voir dans la catégorie sport et santé. Locan.fr est plus un site technologique exclusivement, etc. C'est Locan.fr, c'est le site de Locan. Et donc du coup je vous parle de tout ce qui est important pour moi. Et ça fait, j'avais le rappel sur la montre l'autre jour, ça fait 505 jours aujourd'hui que je complète mon objectif d'activité tous les jours. Presque un an et demi que je vais à la salle tous les jours, que je fais de la muscu tous les jours. Je suis passé de 73 kg à 89 kg aujourd'hui, donc c'est une belle perf. Il y a de quoi en être fier au lieu de me cacher, etc., et de pas assumer et de dire ah ben non, je vais pas faire des vidéos de sport, etc. Je pense être légitime pour vous parler d'activité physique quelle qu'elle soit depuis des années, de muscu particulièrement depuis ces derniers temps. Et donc voilà, donc peut-être qu'il y a des idées de tutos, de sujets qu'il faudrait faire. Vous partagez mes entraînements, je sais pas si c'est pertinent, je crois pas, peut-être de temps en temps faire un retour dessus, etc. Mais de manière quotidienne ou hebdomadaire, vous dire qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, etc. Je sais pas. Qu'est-ce qui... Alors quand j'en ai parlé sur le forum VIP, sur le Slack, les mecs m'ont dit que ce qui serait pertinent, c'est de parler de prot, quand est-ce qu'on mange des prot, etc. Et pourquoi aussi, parce que c'est un petit peu comme tous les compléments dans la tête des gens, c'est « Oh mon Dieu, ils se droguent !» Non, c'est du blanc de poulet, madame, c'est rien de méchant. Foncièrement, et donc parler des prods, parler des différents types d'entraînement, etc. Je sais pas, qu'est-ce qui vous ferait plaisir de voir dans la catégorie sport et santé? Ça peut être de tout, et dans la santé on inclut la bouffe aussi, hein. Ça peut être comment faire un petit plat sympa avec du poulet, du riz et du boulgour, j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi. Ça peut être de l'alimentation, ça peut être des petites randonnées, continuer comme c'est là, ça peut être de la mécanique entre guillemets sur un vélo, comment choisir ses paires de pompes, je sais pas du tout qu'est-ce qui peut vous plaire. Toujours est-il que, comme vous le savez, moi je vais à la salle de muscu tous les jours, je vais faire des randonnées cet été, etc. parce que j'en ai besoin, que ça fait du bien, que c'est cool et que ça coûte pas cher. Et puis voilà, si vous voyez des trucs qui seraient pertinents d'aborder, des sujets qui seraient pertinents d'aborder dans la catégorie sport et santé, ben lâchez-vous, on essaiera de les aborder et je ferai ce qu'il faut. Et du coup, je vous dis lâchez-vous parce que exceptionnellement, du coup, dans cet article, les commentaires sont ouverts. C'est-à-dire que vous allez pouvoir commenter et me dire, soumis à modération, comme d'habitude avant que les commentaires soient fermés sur le site, exceptionnellement, mettez dans les commentaires ce qui vous fait plaisir, etc. Alors ne me faites pas regretter de les ouvrir, donc un petit bonjour, un petit au revoir, ça fait du bien, ouais, pour encadrer votre réponse. Et puis voilà, donc j'attends vos commentaires, dites-moi ce qui vous ferait plaisir, quel type de sujet, qu'est-ce qui en vidéo, soyez lâchez-vous quoi, vraiment allez-y à fond, et en fonction de ce que vous voudriez comme sujet, de quelle manière vous voudriez que ce soit présenté, des photos, des gifs, des vidéos, j'en sais rien, avec solo, des exercices en couple, par binôme, je sais pas, bref, à vous de la parole est à vous, c'est à vous de vous lâcher, et puis c'est tout, grosso merdo.
Il fait beau, il fait super beau. Je rentre là où je suis actuellement. Je monte cette petite vidéo. Enfin, il n'y a rien à monter. J'écris l'article, je publie. Planifié pour 19h. Et en avant. Mais je pense qu'en sport et santé, il y a pas mal à faire, pour pas se mentir. Il y a deux trucs qui, dans les prochains mois, années, les gens sont de plus en plus conscients de deux choses. La sécurité en ligne et de l'importance de ce que la technologie peut leur apporter en domotique. Donc la catégorie sécurité domotique a tout intérêt à être développée. Et les gens, pour la plupart, j'ai la sensation qu'il y a une prise de conscience sur la santé aussi, l'importance de la santé. Donc si j'arrive à développer ces deux catégories, c'est cool parce que ça sera en raccord avec ce que vous pouvez attendre d'un site lifestyle, en fait, c'est ça. Maintenant, locan.fr, c'est plus un site technologique, c'est réellement un blog perso où moi, je partage ma petite life. Donc guidez-moi pour savoir qu'est-ce que vous voulez dessus. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.